Allô tout le monde, bienvenue à mon troisième vidéo d'Halloween. Aujourd'hui, je dessine un couple qui danse, mais avec un petit twist. Cette femme est pas humaine, c'est un fantôme. J'avais une histoire dans ma tête pour cette idée de dessin. Dans le fond, j'avais l'idée que ça se passerait une soirée de bal masquée. Puis l'homme, il savait pas qu'il dansait avec un fantôme. Dans le fond, le fantôme venait à vie seulement un soir par année, qui était l'Halloween, le temps du bal masqué. Quand je dessinais, je m'imaginais une histoire. Il y avait comme vraiment beaucoup d'idées qui passaient dans ma tête. J'aurais pu pratiquement écrire un livre juste avec ce dessin-là. J'avais tellement plein d'idées avec cette scène que j'ai dessinée. Au début, je voulais dessiner d'autres couples qui dansent à l'arrière, mais mon sketchbook est un petit peu trop petit pour faire un aussi gros arrière-plan que j'avais en tête. J'ai décidé de faire comme s'il était dans un cadre, puis si le cadre était en vie. J'ai très bien réussi l'homme. Pour la femme, j'avais bien commencé avec les tons de gris, le rouge pâle. Puis quand j'ai commencé la robe, c'est là que ça s'est gâté. J'aurais aimé ça que ça ait un petit peu plus pâle pour faire un petit peu plus allure fantôme. Mais j'ai mal mélangé mon bleu, fait que ça a sorti un petit peu trop foncé. Mais c'est pas grave, je me suis imaginé que justement, elle utilisait des... Ses vêtements étaient encore, je pourrais dire, humains, mais elle en dessous était vraiment un fantôme. Pour ça qu'elle a ses cheveux gris, puis qu'on voit pas ses mains, on voit aucune partie de son corps à part ses cheveux. Ici, ouais, mon chat encore essaye de manger mon livre. Ça change jamais. Déjà la fin du vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette troisième vidéo d'Halloween. Merci pour les likes et les partages et les commentaires. Alors, à la prochaine. Merci.